monde, on est reparti sur du Days on Sphere programme et regardez-moi tous ces drones, c'est juste fantastique, j'adore. Alors j'ai plein de bons petits plans pour cet épisode, il devrait être bien fun et j'ai bien lu vos commentaires, du coup je suis revenu sur la planète mère, hein, je ne suis plus dans le système solaire que l'on a visité à la fin de l'épisode précédent, je suis revenu pour régler les petits soucis que vous avez signalés comme par exemple les problèmes de connexion entre certains bâtiments et les tapis roulants. Normalement il n'y a plus le problème, j'en ai profité également pour mettre à jour les tapis roulants, donc améliorer le transport de ressources, pas partout, mais j'ai remplacé, je dirais, la moitié des tapis level 1 en tapis level 2, ce qui a une conséquence un petit peu surprenante. Les usines ont donc beaucoup plus fonctionné, plus souvent, et plus d'usines en même temps du coup fonctionné, ce qui fait que j'ai doublé la consommation d'énergie. Je suis passé de 95% de satisfaction d'énergie, j'étais un petit peu en retard, hein. J'étais pas à 100% comme là, mais j'étais un peu en retard, à 45%. Et là, du coup, catastrophe, cercle vicieux, les mines produisaient moins de carburant, donc les générateurs en recevaient moins, du coup, de plus en plus de générateurs attendaient une arrivée de carburant et ne produisaient plus d'énergie, donc je suis passé à 35%, à 30%, à 25%, et donc là, j'ai dû prendre les choses en main rapidement, parce que sinon, je pense que c'était fichu pour moi. Donc j'ai posé plus de panneaux solaires, j'en ai mis quelques-uns, les voici. J'ai fait également un autre champ d'éoliennes, tiens, le voici là-haut. J'ai également augmenté la production d'énergie grâce aux barres d'hydrogène. Donc vous voyez que l'on reçoit, enfin, que l'on produit là et qui sont stockées là-bas apparemment. Maintenant je peux même augmenter, hein, sans problème au vu du stock. Donc, on retire là. Au début j'avais à peu près, je dirais, ce groupe, peut-être ce groupe-là ou ce groupe de générateurs. J'ai doublé ici, j'en ai rajouté un petit peu plus là. Et j'ai également mis plus de tourelles de ce genre pour profiter de la sphère de Dyson, enfin de l'essaim de Dyson qu'on est en train de créer. En tant qu'à faire, autant en profiter. J'ai pas pu en faire plus sur le moment à cause des problèmes que j'avais. Mais voilà, j'en ai mis un petit peu à l'arrache. On va retirer l'océan autour, hein, là, pour bien les placer plus tard. Mais alors, avec tout ça, au final, je sais pas si je l'ai dit, j'ai également triplé ou doublé la production d'énergie avec le graphite également. Et tout ça au final pour arriver à ce niveau-là. Alors ça varie entre là et là, donc ouais, il nous faut plus d'énergie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais trouver l'endroit où... Alors je sais plus où je l'ai préparé. Alors l'endroit, ça va être là? Ouais, ça va être ici. Où on va pouvoir faire de l'énergie nucléaire. Donc là, ça demande le nouveau type de générateur. Donc je vais tirer les tapis. Alors maintenant, je fais des tapis level 2 au minimum, hein. Je ne fais plus la même erreur parce que quand on les change tous d'un coup, tout se met à plus fonctionner et on se retrouve dans une situation... voilà, hein. Bon, ok, alors j'en ai peut-être mis certains un petit peu trop long parce qu'il n'y a pas de raison de gâcher des barres de nucléaire là. Je sais pas trop ce que... de déthérium, voilà. Et du coup, alors maintenant on passe au level 3 et tu vas venir de là. Alors c'est vrai que ça, hop. Alors je suis désolé si vous entendez le clic de la souris. J'ai versé de l'eau sur mon ancienne souris silencieuse. Donc je suis passé à une autre souris qui, elle, fait un peu plus de bruit. Je sais pas ce que ça donne en enregistrement, si mon micro arrive à cacher le bruit ou quoi. Du coup, on va mettre juste cela et on va voir ce que ça a donné. On va viser après. Donc je vais avoir besoin de vraiment déposer beaucoup. Donc on va mettre le level 3. Parfait. Et un level 2 va ramasser. T'es plus proche du côté là. Plus proche. Je les ai pas mis parfaitement. Bon, je pourrais les arranger plus tard. Donc là, c'est lancé. Et donc là, du coup, on obtient le déthérium, les barres de déthérium et... Ok, ça me donne un petit peu de marge. C'est mieux que tout à l'heure, mais c'est pas non plus incroyable. Est-ce que j'en ai d'autres? Il m'en reste une. Ok, on va la mettre là. Voilà. J'ai raccourci également les autres tapis, là où il n'y a pas besoin. Et avec tout ça... ok. Alors, je vais mettre les quelques barres que j'ai ramassées. Purée, je passe à 11,4 gigawatts. Ah ouais, quand même, la différence est incroyable. Oh, j'en ai d'autres. Oh, j'en ai d'autres, il m'en restait d'autres, je pensais que j'en avais plus. Ah bah tiens, alors je vais les poser. Où allons-nous les poser? Un endroit au pôle nord ou au pôle sud? Ok, là j'en ai déjà pas mal. On va les mettre là. Et je vais les mettre plutôt du côté là. C'est là que j'ai l'impression que le côté là est plus éclairé que l'autre. À chaque fois que je viens, j'ai l'impression que je les ai mises au mauvais endroit. Du coup, ça va être toi. J'en ai 6. Ah oui, je les ai produits à la fin quand j'ai mis pause. Ok. Quand j'ai fini mes préparations. Hop. Voilà.
Et j'adore la vitesse de mes drones. Très bien. Alors avec tout ça, ça devra normalement aider un petit peu plus. Et on devrait être beaucoup mieux. Alors côté voile solaire, je vois qu'il y a des petits trous, mais c'est normal. Il faut que ça fasse un tour complet pour être rechargé au niveau là. Regardez. Hop, hop, hop. Ah ça j'adore. Ça, ce système, c'est génial. Vous voyez, comme ça, ça fait que tourner sans jamais être en pause. C'est classe. Bon, alors là, on est bon. Et alors oui, vous m'avez demandé également alors de retirer toutes les bâtiments. On va rester à côté. De retirer toutes les orbites et d'en mettre d'autres du même rayon exactement. Donc, c'est ce que l'on va faire. Alors, hop. Ce que je vais faire, c'est que... Pas retirer l'orbite ? J'avais pas un bouton effacer avant ? Ok, je peux toutes les effacer sauf une. Pourquoi ? Ok, alors... Du coup, combien on va faire ? 572, alors on va retirer. Ah ! Ça désactive ? Ah, d'accord, alors ça les désactive, ouais, non, là le problème c'est que du coup je vais devoir... Je sais ce que je vais faire. Je vais en créer de nouvelles, et on va ignorer celle-ci, on va laisser les voiles solaires se disparaître toutes seules. Donc en rayon, on va mettre 11100. Ok, ça a l'air pas mal. 11100. Et inclinaison 9 degrés. Donc on va copier ça. Et on va le créer. Et je vais faire pareil pour les autres. Voilà, alors j'ai également mis exactement la même longitude. Et je mets tous les 10 degrés. Voilà. Donc là, c'est penché 0 degré, 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés, 40 degrés. Donc là, vous pouvez voir, regardez, la nouvelle. Regardez, c'est beaucoup plus propre. Hein, beaucoup plus propre. Et donc, je vais maintenant changer les canons et je vais les faire passer donc, de 1 à 6, 2 à 7, etc. Alors, toi. On va le faire. Je vais le faire dans l'ordre. Donc, alors, toi, tu vas passer au 6. Toi, au 6. Toi, au 7. Et au 7. Et au 8. 8. Au 9. Au 9. Et il va rien avoir de ce côté-là pour le dernier. Ou alors, on va mettre un au moins sur le 6 et un sur le 10. Ok, donc je vais en rajouter d'autres après. Voilà, donc là, on a une nouvelle orbite. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Parfait. Comme ça. Regardez ça, c'est derrière, ok, on peut quand même toucher, ah, c'est génial, regardez, et là il se déchaîne, ouh, vous déchaînez là, waouh, ok, ça a l'air d'être des orbites plus populaires, et donc bah, maintenant je devrais avoir, alors on va petit à petit voir cela disparaître, donc il va y avoir de moins en moins de, vous voyez, il y a 490, une autre va disparaître au bout d'un moment, il n'y en a que 80 sur celle-là, ok, je n'étais pas desservi de la même façon, je vois, mais là, ouais, là on doit avoir quelque chose de plus propre, et quand je vais racheter d'autres canons, peut-être d'autres planètes. Je vais continuer. Donc, il faut que je me rappelle, c'est 11111 en rayon et 150 en longitude. Donc ça, il faut que je m'en rappelle pour le futur. Regardez, oh, regardez comment ça se forme. C'est juste génial. Bon, je pense que là, il va être temps maintenant de débloquer. Alors, la nouvelle technologie, j'ai besoin absolument du Gravity Matrix qui va débloquer le bloc vert. Et apparemment, un nouveau moyen de faire le truc de warp. On m'a dit que c'est beaucoup plus, ça donne beaucoup plus de warp en faisant cette recette qu'en faisant l'autre. Donc du coup, pour cette technologie là il me faut toi, pour toi il me faut ça qui va me débloquer un plane filter. Ok, c'est sûrement un composant pour une autre machine. Puis on va lancer toi. Alors ça coûte combien ça? Ça coûte pas grand. Oh, ça coûte que dalle, génial. Là, je sais pas combien j'ai de violet en stock, mais là ça m'en coûtait 1000. Et avec celui-là, ça me demandait surtout beaucoup de jaune. Alors la question, c'est est-ce que j'ai assez de jaune? Ouais, ça va être le problème, là, je pense. Je crois pas que je vais en avoir assez. Oh, j'adore ma base. Pour être franc, c'est le résultat de mes heures de boulot. Ça peut avoir l'air bordélique, mais c'est satisfaisant. Alors, faut vraiment... Par contre, je mette peut-être à jour. Là, ouais, j'ai fait avec ce que j'avais sur le moment. Et quand je pouvais, je mettais du vert. Là, il faudrait que je règle également ça, mais bon, c'est... Bon. Alors finalement je crois que je vais avoir. Ouh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 2000. Allez quoi, on a 15, 16 000. Hmm.
Quoi, 2000? Non, non, on a 3000. 15 000. 3000, 3000. Je sais pas ce que j'ai halluciné là. Voilà, ok, là on a. Ah bah oui, non. Je me demandais presque qu'on avait pratiquement moins de violets que John, mais en fait c'est parce qu'on utilise beaucoup plus de violets que John. Donc là, vous voyez, il s'entasse et celui-là, il est utilisé régulièrement. Que je regarde là-dedans, côté recherche, ça part vite. Alors, est-ce que je peux mettre. Est-ce que j'en ai un autre d'ailleurs? Ah, j'en ai pas d'autre. Est-ce que j'ai de. Ouais, je peux en faire. Peut-être accélérer là. Tu vas m'en faire 4. Voilà, je vais voir si je peux mettre un étage. Normalement, j'ai débloqué la possibilité de faire un étage supplémentaire. Vous pouvez voir là-bas. 1, 2, 3, 4, 5. Toi, alors, ça devrait être bon. Ouais. Voilà. Parfait. Et comme ça, on va faire la recherche encore plus vite. Regardez à la vitesse que ça va. Génial, génial, génial. Je suis vraiment content. Je suis vraiment content. Alors, côté énergie, on est bon. Alors, on m'a demandé dans les commentaires. Oui, j'ai dit que j'allais le montrer, mais je l'ai pas fait. Combien de Space Warper on a utilisé pour le voyage? Du coup, j'ai complètement oublié de regarder. Donc, le prochain voyage vers le nouveau système solaire. Bah, je vais pas oublier au prochain voyage vers un nouveau système solaire. Je vais regarder avant et après, bon, on est avant, donc on sait. Et je vais voir à combien je vais être une fois que l'on arrive. Pour voir si la distance a un impact, ou c'est juste vraiment le warp, le début, l'entrée dans le warp qui compte, vous voyez, ce genre de choses. Et une recherche de fait. Moi, je me demande. Est-ce que je ne booste pas encore un petit peu plus là? Alors, la nouvelle recette, je voudrais voir. La nouvelle recette, ici. Demande un cube vert. Et un cube vert demande de ça. Donc je pense pas que je vais avoir besoin de cette ressource pour le moment. Donc je peux. On en a besoin. Ouais, je pense pas que je vais en avoir pour le moment. Donc je vais augmenter le nombre de ces producteurs d'énergie. Ouh, ok, il me manque des choses. Je vais aller en chercher. Alors apparemment, pour un des composants, celui qui est le plus difficile à faire. Celui-là, il me manquait juste du graphite. Donc ça c'est bon, mais il me faut toujours maintenant le graphène. Je sais plus où il est. Alors une autre recherche de fait, ça progresse vraiment vite. Je vais vraiment vider mes coffres là, je pense. Ah, ici. Normalement, voilà, il me faut cette version. Ouh, j'en ai pas en stock. J'en ai pas en stock. Je pourrais l'intercepter comme ça. Mais ouais, c'est un petit peu lent. Et du coup, c'est ce que j'ai fait, je l'ai récupéré comme ça pour le moment. Et alors oui, on va me le dire dans les commentaires, mais du coup, je corrige là. Et je vais me faire bon, 3 de plus. 3 de plus, ça me convient. 3, ça me permettra d'avoir un peu plus d'énergie et d'être tranquille. Alors là, la recherche est bientôt terminée. Vraiment content. Quoi ? Il faut plus d'eau. Il faut plus d'eau, j'ai pas assez d'eau là. Ok, ça peut être réglé facilement. Pompe à eau. On va mettre 3 de plus. On va les poser là. D'accord, c'est ça qui ralentit. Apparemment, c'est ça qui ralentit la production d'acide sulfurique. Ah, parfait. Et donc là, on est bon. Mais avant. Ah, ouais, on va terminer ça. Voilà. Et avec ça. Ouh. Je pense qu'il y a un petit peu de stock. Ouais, voilà. Une fois que le stock se vide à l'intérieur. Voilà, donc là je vais produire plus d'acide sulfurique. Le problème va maintenant probablement être un autre décomposant. Je sais pas lequel, peut-être le carburant, on verra. Bon, ça c'est fait. Et donc maintenant, l'énergie. Voilà. Et voilà, encore plus d'énergie. J'ai de la place pour plus, mais j'ai pas ce qui... Ouh, ok, c'est bon. J'ai pas de quoi faire. Et là, on est à 60% d'utiliser, je dirais à peu près. Je suis vraiment content. Alors, du coup, en recherche, on a pas mal de possibilités. Améliorer la vitesse de recherche, franchement, c'est pas utile à ce niveau-là. Plus de transport, l'utilisation des veines, plus de... Ouh, ça c'est bon, ça. Miner plus vite, ça c'est toujours une bonne chose. Et je suis vraiment content de ce qui se passe là. Oh, regardez. Regardez. D'ailleurs, est-ce qu'on l'utilise? Ah non, 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 on n'utilise pas plus vite. On est parfait côté utilisation du déthérium. Bon, alors, avec tout cela... je sais pas trop quoi faire là maintenant. Qu'est-ce que serait la suite logique? Ah oui, je suis bête. La suite logique, c'est de faire les cubes violets, pour après le warp, et ensuite aller sur l'autre système solaire et donner le warp à nos petits bonhommes qui se baladent. D'ailleurs, en y pensant, est-ce qu'elles ont le warp là? C'est lequel qui débloque le warp? C'est celui-là, donc on l'a déjà. On l'a déjà, je peux aller un peu plus loin, mais là, il me faudrait du vert. Donc ouais. Donc toi, on a dit, c'est le Graviton Lens.
et un quantum chip. Ça, c'est plus c'est d'accord, la nouvelle ressource, c'est plus compliqué à faire. Alors là, on produit déjà toi pour faire les voiles. Et est-ce que je veux... La porte de CPU, ça on en a suffisamment et c'est toi. Ouais, c'est quoi ça? Ah, le cristal Casimir! Oh là là! Purée! 12 d'hydrogène! 2 de... C'est quoi ça? C'est le graphène celui-là? C'est le graphène, ouais. Et un diamant. Ou alors... Ou alors l'autre ressource que je n'ai pas. Il se trouve peut-être ailleurs. Ouais, est-ce que déjà je peux faire du diamant à proximité ou on va devoir le ramener de... Bah je peux le faire là-haut. D'accord, je préfère mon diamant là. Ok, ok, donc là ça va être plus intense que je pensais. Oh là, il faudrait peut-être qu'il me serve de ça pour plus de pétrole. Ouais. Alors, déjà, est-ce que ça, ça utilise tout mon hydrogène? Je voudrais voir. Non, on reste pas loin du max avec des arrivées régulières. Et donc là, j'ai ma production de diamants. Je veux toujours voilà, avoir la possibilité d'étendre facilement cette production. Première étape. Alors, j'ai un petit peu hésité pour le graphène. Je comptais le faire avec le charbon. Mais je me dis au final, pourquoi faire avec le charbon quand on récupère sur la grosse planète, la planète gazeuse, tout ce qu'il nous faut. Donc, je vais mettre toi là. On a fait un paquet avant en préparation pour l'autre planète, l'autre système solaire. On va te poser là. On va avoir besoin d'un poteau. Voilà. Et donc on va ramener ici toi, vu que c'est une des recettes. Ok. Et je vais avoir besoin de... Ah bah tiens, j'en ai une dizaine. Parfait. Et j'ai nulle part. D'accord, j'ai nulle part qui importe ça. Donc je vais devoir... Je pense le faire du gros... De la grosse celle-ci, ouais. Voilà, tu vas n'importe où. Est-ce qu'il va y avoir assez de place? Parce que je sais qu'il y a une limite. Ah, alors on en a. Pourquoi tu l'emmènes pas de l'autre côté? Il y en a 10 000 là. Pourquoi est-ce que tu me l'amènes pas à ma tour là-bas? T'es où? C'était là. Ah oui, supply, oui, demande, voilà, ça arrive, voilà. Alors, on m'a demandé également dans les commentaires, est-ce que, vu que vous savez, ceux qui tournent autour de la planète gazeuse, les machines qui extraient le gaz, extraient deux ressources, extraient de l'hydrogène et du fire ice, est-ce que, si on a le stock de la machine plein de fire ice, est-ce que ça a quand même extrait l'hydrogène? Je ne sais pas, mais bon, ce sera un moyen de tester. Donc là, on va recevoir le fire ice. Et on a besoin de traiter ça dans une usine chimique. Je crois que c'est celle-ci. On va te poser là. Et on va voir. C'est toi. Non. C'est toi qu'il me faut. Et ça me donnait également un d'hydrogène. Il faudra trouver quelque chose à faire avec de l'hydrogène. Donc, pam. 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 4. Ici. Ce qui est bien, c'est que ça ne demande qu'une seule ressource. Prendre celui-là, je pense. Je vais prendre lui. Parfait. On est bon, maintenant va falloir faire sortir... Ah, il manque un second, c'est bon. Et... On a besoin de deux tapis pour la sortie. Un pour le graphène. Et un pour l'hydrogène. Alors l'hydrogène c'est le premier. C'est effectivement une recette beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile pour obtenir ce graphène qui est un petit peu relou à obtenir ailleurs.
Que faire d'hydrogène? Je pourrais l'envoyer faire du déthérium, je pourrais le stocker, je pourrais en utiliser pour l'énergie. Je peux l'utiliser pour l'énergie pour s'en débarrasser rapidement en fait. Voilà. Très bien. Ouais. Est-ce que j'ai encore de générateurs? Non, je n'en ai pas, il va falloir en faire. Ok, je vais me débarrasser de l'hydrogène là. Alors non, faut pas se débarrasser de l'hydrogène, j'en ai justement besoin pour les cristaux Casimir. Donc du coup, j'ai les trois, je savais même pas, j'ai les trois ressources. Diamant, graphène, hydrogène, ici. Et les cristaux Casimir, ils se font à une vitesse incroyable, c'est juste complètement dingue. Là, juste le temps de faire le reste, regardez, j'ai déjà un plein, un pratiquement, allez, deux tiers plein. Et mon troisième coffre est en attente, donc ouais, on va en avoir beaucoup, j'espère que j'en ai besoin de beaucoup. Mais ouais, côté hydrogène... Ok, ça augmente petit à petit, mais de peu. Alors, c'est pas grave, de toute façon, l'hydrogène, on en apporte comme pas possible de la planète à côté. Et alors, j'ai également mis deux autres ordres d'import. Désolé, j'ai cru faire l'enregistrement de ce petit segment, mais en fait, il a sauté. Du coup, j'apporte également du titanium et du verre, parce qu'on a besoin... On a besoin, si on regarde, toi... On a besoin de verre de titanium. Donc, il me faut du verre. Il me faut du titanium et il me faut de l'eau. Donc là, on a le verre et le titanium. Le verre, je sais pas trop d'où je l'apporte en fait. Je vais voir si je vais pas en produire plus parce que je sais pas si du coup ma production va suffire. Et là, on a besoin d'eau. Alors, est-ce que j'ai une pompe? Oh, génial, il me reste des pompes d'un autre projet. Alors, du coup, on va mettre deux pompes. Ok. Comment je vais m'y prendre? Je vais m'y prendre comme ça. Voilà, comme ça, si j'en mets d'autres là-bas, je vais pouvoir tirer là. On se met ici. Ça va pas passer là, hein, d'accord. Il ouais, faut juste le mettre un peu derrière. Oh, j'ai mis le level 3. Pas besoin du level 3. Mettre le level 2. D'accord. Je vais y arriver. Tac. Maintenant, je vais descendre. D'ailleurs, je vais même le faire descendre avant si je veux mettre une autre ici, là, une autre usine. Voilà, comme ça j'aurai assez. Et on va faire passer. Une ville. Alors, on n'est pas assez restant. Purée, oh, il va falloir que je me débarrasse de ça. Oh. Ok, bon. Hop, hop, hop. Pour le dernier, vu que c'est assez long, je vais mettre le level 3. Donc le bras va mettre plus de temps à faire l'aller-retour. Voilà. Et là, on a une autre ressource. Faut que j'aille chercher des tapis rapides. Là-bas, j'ai un gros stock, hein, vous rappelez, on a une production qui est faite. Alors, je retrouve. Pas ici. Hop là, stop, stop, stop. Ok, j'ai l'impression que j'ai fait. Voilà, c'est là. Ah ouais, mais je vais devoir me débarrasser. Alors, déjà, ok, toi tu vas là-dedans pour faire la place. Je vais devoir me débarrasser de tout ça. Oh là là, on en fait tellement. J'ai besoin de place, quoi. C'est toutes des ressources précieuses, mais pas trop le choix. On est reparti. Maintenant, je fais la connexion de ça. Bon, je vais mettre quand même une autre là. Ou je sais pas si je vais pouvoir pour lui. Ah, ça marche, ça marche. Oh, l'élévation n'est pas, ne joue pas. Alors là, pas assez d'eau. Pas grave, on a d'autres pompes. J'en ai une autre. Une. Et là, ça devrait suffire ou peut-être pas, parce que là, il faut maintenant les sortir. Ça a dû s'empiler à l'intérieur.
Voilà, et ça c'est une ressource importante que l'on va stocker. Je vais la stocker là pour laisser la place si je veux étendre. Et on va mettre ça dedans avec le rapide. Ouh, ça va pas suffire. On va voir, est-ce que... Ouais, ça se vide plus vite, d'accord, donc le bras bleu suffit. Bon, alors avec tout cela, récapitulatif. On a le cristal Casimir qui est stocké là-bas, qui va remplir. On a toi. Et toi, donc maintenant je peux faire une usine qui va utiliser les deux là. Et on va faire ça ici, est-ce que j'ai... Ouh, non, j'ai plus beaucoup. On peut le faire là. On peut essayer quand même de le faire. On va le faire là-bas. On va le faire là-bas. Ok, donc je vais devoir sortir ça. Et on va jusque là. Et donc tu te t'assembles avec quoi? Ça s'assemble avec l'assembleur. Ça s'assemble avec l'assembleur. Du coup. Hop. C'est ça qu'il fallait faire, on est d'accord. Ouais. Maintenant. Tac. Voilà. Ça va passer. Comme ça plutôt. Là, je peux en mettre d'autres là s'il le faut. J'aime bien prévoir hein, parce que sinon ça mal. Ça se passe toujours mal après. Alors toi. Tac. Ça. Petit à petit on développe notre base. La nouvelle chose, c'est génial. Oh, alors Casimir. Ouais, je vois combien ils en demandent de Casimir. Pour une production. Ok, c'est 10 de verre. Ouh, c'est 10 de titanium pour un Casimir. Ok. Je m'attendais pas trop à ça en fait. Je m'attendais à un ratio inverse au vu de la vitesse de production des cristaux. Ouais. Du coup, va falloir étendre là-bas. Hein. Ça, ça va se vider. Je pense. Et... Voilà. Je suis où côté énergie? Ouh! Ok, les coffres ont dû se remplir. En fait, non, je vais pas en avoir besoin de tellement, parce que même si on demande beaucoup de verres de titanium, la production est super lente, en fait. D'accord, c'est 5 par minute, hein. D'accord, c'est pas gigantesque, quoi. 12 secondes pour chaque unité. Alors, maintenant que j'ai ça, je peux ramener les ordinateurs là. C'est un truc infernal, c'est sans fin. Les ordinateurs, alors je sais que j'en ai plein quelque part, mais je sais pas trop où. On va peut-être bosser là. Donc voici mon usine d'ordinateurs. La question c'est, est-ce qu'on en fait assez? On en fait pas assez, ouais, regardez. Les ordinateurs vont là-bas, ils sont tous utilisés. Donc je n'ai pas d'ordinateur en rab. Pour les ordinateurs, j'ai toute une chaîne de... à faire. Oh là là, c'est la misère. Est-ce que je peux pas juste augmenter la chaîne là? Donc ce qu'il manque, c'est toi. Et pour toi, ce qu'il manque, c'est du cuivre, c'est tout. Ok. Et le cuivre, il vient de là. On va boost là, le cuivre. Hein. On boost le cuivre. Voilà, donc là la production de lingots de cuivre est bien boost. Donc là on a bien quelque chose qui s'empile. Et donc maintenant, je vais voir. On a toujours pas assez de production de plaques bleues. Ça arrive au bout. Ouh, quoi que. Ouais, non, ça arrive au bout, mais ce n'est pas suffisant. Donc je vais rajouter une ou deux usines. Pas besoin de beaucoup. Juste pour que la chaîne de production là-haut d'ordinateur soit à fond. Et regardez, là du coup ça commence déjà. Oh, c'est génial. Les ordinateurs commencent à s'empiler. Ce qui veut dire que je vais avoir du rab pour les autres endroits. Oh là là, génial. Bon,
plus de bleu. Et ça commence à s'empiler également. Génial. C'est juste ce qu'il me faut. Donc maintenant, je vais dériver la production d'ordinateur et en mettre un petit peu dans un coffre. Alors, est-ce que je peux mettre en hauteur des séparateurs? Ouh, je peux les faire comme ça, d'accord. Comme dans... Oh, comme dans Satisfactory. Ok. Du coup, toi. Ok, ça va en bas, là, du coup. Je vais le faire aller en haut. Pas grave. Et à toi. Ça sert à rien au final. Donc lui est reparti et je peux ramener. Est-ce qu'on a une tour pas loin? On a la grande tour là-bas. Mais celle-ci va peut-être être un peu trop chargée. Donc je vais en mettre une autre ici. Et toi, tu vas être chargé, occupé des ordinateurs. Ordi en supply. Alors on va en avoir plein qui vont stocker. J'espère que ça va pas impacter le reste de la production. Ok, ça va dedans. On en a une centaine. Très bien. Oh là là. Regardez, regardez. Le résultat est fantastique. Le résultat. Alors d'ailleurs on m'a dit on peut voir. On peut voir. Voilà, j'ai 4130. Voile solaire en place, mais juste regardez, c'est magnifique. Ça fonctionne comme exactement comme je voulais, effectivement. Alors ça a toujours l'air d'être une comment ça s'appelle, un ovale plutôt qu'une sphère, mais je pense que ça va être réglé quand on va rajouter d'autres d'autres rayons, je pense. Ouais, alors du coup plus je dois aller. C'est ici. Alors le problème c'est que là je peux pas importer autre chose. Je vais devoir mettre une autre tour. J'en ai un paquet. On va te poser ici. Très bien. Et donc du coup j'ai besoin des ordinateurs. Pas d'énergie. J'ai besoin d'ordi. On demande. Alors il va me falloir fabriquer une dizaine. En faire 8. Alors fais-moi ça, on en a besoin parce que je n'ai pas de drone ici ni là-bas. Et alors toi, tu vas continuer ton chemin parce que je vais allonger la ligne de production plus tard. Et on va faire cela ici. Donc je vais te faire passer comme ça. Très bien. Peut-être faire un petit stockage là. Ça fait jamais de mal. Petit buffer. Voilà, et je dois ramener les ordinateurs ici. Est-ce que j'ai bientôt mes drones? Ça va venir là. Ah, c'est quand? C'est rapide. Du coup, où sont mes drones? Oh là là. Vous avez vu, je les ai vus au moment où je clique sur réarranger et je les vois plus là. Là. Ok, on est 8. Ça va me chercher les ordinateurs. Ici. Du coup, on doit faire notre cube vert, c'est ça? Non, ça. Ok, le bleu. Dans l'assembleur. Les chaînes de production deviennent vraiment complexes. 4. Connexion faite. Et maintenant, on va le faire sortir et toujours dans le sens là.
Ok, toi. Ouf, je peux pas en faire beaucoup. Je peux en faire 4. Il manque quoi? Il manque de toi et toi, il me manque des. D'accord, des circuits électroniques. Voilà, on ramasse un petit peu. On est reparti. Voilà. C'est quoi que j'attends là toujours? Les ordi sortent pas, j'ai dû faire une erreur quand je l'ai. Tac. Voilà. Les ordi arrivent là, enfin les ordi et les CPU. C'est ramassé. J'espère qu'on va en produire assez. Toi, là-haut. Ça fonctionne mais c'est vraiment lent et donc on obtient ça et derrière maintenant j'ai ça et faut que je ramène de ça. Alors les ronds on n'en produit pas loin, juste à côté. Est-ce que on en a? Oui, on en a trop. Ok, donc oula, non, c'est pas le bon ça. Ah, c'est là, d'accord. Je n'ai pas de buffer pour toi en fait, c'est pas une très bonne idée ça. Sortir de là. Ça, cette ligne, je peux la rallonger s'il le faut. On va mettre le stockage ici. Et on va te ramener. On peut faire peut-être la ligne ici. Voilà. Ou alors ici. Okay. Voici l'arrivée de cela. Et maintenant. On envoie ça à l'intérieur et on va avoir nos cubes verts. Alors les cubes verts ne vont pas être utiles que pour la recherche, ce que l'on m'a dit, mais également pour la production de certaines choses. Ah, alors toi, cube vert. Ah, c'est le dernier là, donc du coup il n'y en a pas d'autres, on est sûr. J'ai mis ceux-là, je vais plutôt mettre les bleus parce que là on a pas mal d'étages. Voilà. En route. En route. Et on va épuiser. On va épuiser cela déjà. Ok, alors j'ai pas besoin de mettre une deuxième colonne. Qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque de ça. Il va falloir booster la production de ça. J'ai les matériaux pour. Il va falloir booster également ici. Énormément. Je me dis peut-être arrêter ça vu qu'il y a un meilleur moyen de les faire. J'en ai combien? Ouh, j'ai un paquet de warp déjà. Bon, je vais améliorer toute cette ligne. Bon, au moins on va commencer à stocker les cubes verts là-bas. J'ai doublé la production ici, mais regardez, même avec tout ça, ça n'utilise pas tellement de. Putain, puis il me faudrait vraiment, je vais voir si j'ai pas une technologie. Je crois que c'était ça, oui. Plus 50% de vitesse de réplicateur. Ça a l'air d'en débloquer un nouveau, ou alors je sais pas si ça augmente la vitesse de celui-là, mais ouais, parce que là c'est plus une question de place que autre chose. Et je vais pas mettre 15 000 machines non plus. On va voir ça. Ça en voilà. Ah, par contre, maintenant on en produit plus qu'on peut en utiliser. Alors ça c'est génial. Ça c'est génial. Bon, alors du coup, maintenant que ça a mis pur et c'était une longue session, on peut fabriquer ça. 1 en fabrique 8. Ouh, alors ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Donc je vais le faire. Mais maintenant que j'ai terminé ça, je voudrais juste voir un petit peu ma sphère. Ah, continuer. On en est à combien? Ouh, 3694. Donc là, on a dû en perdre pas mal à cause de la position. Donc faut vraiment que je mette des canons un petit peu partout sur la planète. Hein. Du coup, avec tout ça, donc je tire le Casimir là. Ouh, ah, j'ai ça. Ah oui, ça, c'était ça. Déjà, je l'avais fait. Là, j'ai aucune idée à quoi ça sert. La description dit satellite substation, distribution d'énergie large. Ok. En gros, c'est un. Oh, en gros, c'est juste un poteau super bourrin, quoi. C'est tout. Genre, alors si je te mets, alors un endroit où il pourrait être utile. Alors,
vais te mettre là. On va voir ce que ça a donné. Ah non, c'est encore quelque chose d'autre, ça. Alors ça, je ne m'y attendais pas tellement. Et mais vraiment, ça couvre que ça. Ça fait un peu limite, ça, quand même. Non, ça peut pas être plus non. Bon, alors, on a quand même un grand paquet de ça. Donc maintenant, je me dis, je vais aller vraiment m'installer sur une autre planète. Et je vais mettre... Alors, j'ai les 18... Ouais, et je vais mettre... Ok, alors oui, non, avant de partir ça, du coup... Ça m'a débloqué autre chose. Ça m'a débloqué les bleus. Ok, ouais, donc, alors, on va remplacer... On va remplacer ceux-là. Ok. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai fait, là? Ouais, c'était eux, hein. D'accord. C'est eux que je dois virer, hein, ouais. Ouais. J'ai un doute, du coup, quand j'ai vu l'autre ligne. Ah, alors là, oh, je les ai virés, j'ai même pas vu si je peux les fabriquer. Ok, il manque juste ça, ça j'en ai partout. Il me faut de ça, ça j'en ai. Et de ça, bah, je peux en ramasser là. Alors je vais devoir aller chercher. Non, non, voilà, j'en fabrique, mais comme vous pouvez le voir, tout est utilisé. Je me rappelle plus à quoi ça sert, ça d'ailleurs. Et on voyait. Ah, c'est pour les violer. Je vais devoir intercepter ce qui arrive là. Hein. Alors, je peux en faire 3. C'est pas terrible. Du coup, je vais remettre les anciennes. Je suis un peu déçu de les avoir démontées prématurément. J'ai complètement oublié de vérifier les compos. Il faut vraiment que je booste la production de des ressources là-bas. Donc, ouais. Ça, c'était quoi le truc qu'il nous faut ici? C'est le vert, oui. On le remet. Et une fois que j'ai mis 3... Les ai, on va les mettre là. On va pas comparer. Tac. Tac, et je remplis le reste. Voilà. Alors, toi. 7,5 par minute. 5 par minute. Ouais, 50%. D'accord. Bah, c'est pas mal, mais j'aurais aimé plus. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon, il est temps. Oh, bah, il est peut-être temps de juste mettre. Ça, juste pour se marrer, pour avoir de... Je sais pas si ça fait... Non, on le voit pas tellement. Je le mettrai sur la nouvelle planète, ça, pour l'énergie. Bon, il est temps de se préparer au voyage. Et cette fois-ci, on va voir combien on va utiliser de warp. Et on va installer des vraies choses sur une nouvelle planète. Je vais peut-être pas aller à la même. Peut-être essayer d'aller dans un autre système solaire. Cette fois-ci, on va voir. Du coup... Alors, Cristal Casimir, on le vire pour la place. Ça, c'est... Ça, on le vire. Il me faut ça pour l'énergie. Il me faudra des mines... Et ensuite, tapis roulant, j'en ai peut-être pas. Ouais, on va en prendre un petit peu de tapis roulant. Va falloir beaucoup d'énergie pour mon bonhomme. J'ai 18 vaisseaux quelque part. Oui, j'ai 18 vaisseaux inter machin, donc j'en ai assez. Bon, c'est parti. On sort de l'atmosphère. J'ai normalement tout ce qu'il me faut. Oh, j'ai oublié de vérifier quelque chose. Ouais, j'en ai deux grands. Ok, c'est bon. C'est bien le bon modèle. Ouais, c'est le bon modèle. Bon, alors, on est allé à Azelfafage. Cette fois-ci, on va aller à Mirac. Allez, on va aller à Mirac. Regardez ça. La vache. Là, ça se rattrape. On est à combien? 3550. Ouais, là, on se rattrape. Ouh. Bon, allez, Mirac. On est... à 20. Est-ce que je peux voir... On en a utilisé un pour le moment. Donc finalement, c'est un par warp, ça serait ça. Si c'est ça, c'est excellent, parce que du coup, j'en ai pas besoin de beaucoup pour mes... comment ça s'appelle? Pour mes trucs de logistique. Alors... Mirac est là. Oup. Ok. Juste magnifique.
Et côté énergie personnelle, j'ai quand même eu... Je sais pas si on utilisait beaucoup, en fait, si c'était à ce niveau-là. Du coup. Miracle 1. Allez, c'est parti. Voilà. Attention, je peux avoir d'énergie. Heureusement, on va recharger. On est à 0,88 unités astronomiques, c'est ça, hein, je crois que je me gourre pas. Et on va voir si on va trouver des ressources. Il y a peut-être un nouvel type de ressources qu'on n'a pas encore vu. C'est des espèces de cristaux rouges pour qu'on utilise pour faire, je pense, enfin, qu'on peut utiliser pour faire les cristaux Casimir. Là, j'ai dû utiliser une autre recette pour en fabriquer, mais peut-être, je me dis, au vu de la planète là, ouh, j'espère que c'est pas une gazeuse. Et je vois pas beaucoup d'autres planètes autour de ce système. Non, elle a pas l'air gazeuse, hein. Un grand désert. Ok. Alors, je me pose. Et on regarde un petit peu. Alors. On a de la kimberlite or. 238 000. Pas énormément. Alors, elle est où la kimberlite? Il y a probablement qu'une veine. La kimberlite. Elle est là. Elle est là et moi je suis où? Ok, donc ça serait vers là-bas. Ici. Ça sert à quoi ça? J'ai aucune idée de ce que ça nous sert. Alors si je regarde. Énergie solaire 90%, c'est tout? Est-ce que j'ai des panneaux solaires sur moi? Non. Et est-ce qu'on a du charbon? On a du charbon juste ici. Donc je vais pouvoir... Jusqu'ici. Juste ici, voilà. Donc on va pouvoir démarrer et je vais faire une petite installation et je vais commencer à exporter de la kimberlite vers notre planète, juste pour tester. Je vais mettre là. Et... On est parti. Il n'y a pas énormément de charbon, hein, par contre. Alors tiens, on va utiliser ça là. Hop. C'est parti. Donc tout ça est bon. Maintenant. Hop. Hop. Tout ça, c'est pour avoir un bon départ. Je vais avoir besoin d'alimenter également en énergie. La tour interstellaire. Je peux utiliser celui-là. J'aurais dû préparer plus de bras avant d'y aller. Donc avec ça, côté énergie. Ok, satisfaction, c'est un bon niveau. Maintenant, on doit tirer. Alors si je fais... Quoi? C'est énorme. C'est énorme. Bon alors la kimberlite, ok les excuse. Je me dis ça va me servir à un truc un jour. Ouais alors je sais hein, je peux utiliser mage pour un truc. Du coup, oula, 90 000 ans, ça c'est naze par contre. Ah mince, mauvais sens. J'ai vu du 200 à un moment, 238. Bah. Je sais pas c'est quel bouton pour mettre dans le sens inverse. 138. Voilà. 138. On fusionne ça. Et on va l'envoyer une tour. Voilà, on va le fusionner là. On me dit que c'est mieux de mettre là. Cette à côté. Tour. Très bien. Maintenant, ça va être toi. On va te poser là. Kimberlite. Toi? Non. Ouais, c'est ça, ok. Ah, c'est la Kimberlite, c'est ça qui me permet de faire des diamants?
Je crois que c'est ça qui me permet de faire des diamants. Ok, remote supply, très bien. On va mettre... Ah, j'ai pas de truc de warp ici pour eux. Donc c'est peut-être les autres qui vont servir. Je vais voir comment ça va fonctionner. Vous voyez, il y a un emplacement pour le warp là. Bah j'en ai un petit peu sur moi, de toute façon stock. Alors, très bien. La Kimberly est posée. La recharge va être un petit peu longue. Est-ce que je peux pas... Je peux pas... Panneau solaire, je peux en faire. Je peux en faire 27. Allez, on va les faire. Déjà plus de carburant. Ah ouais, d'accord, regardez la vitesse à laquelle ça tourne. Comment ça? Ah oui, c'est parce que l'autre il bouffe tout. C'est pas grave. Je vais poser mes panneaux solaires et ça a déjà aidé un petit peu. Ah, le problème c'est où les mettre? On va les mettre là alors. Et finalement la distance. Ah ouais, c'est la connexion entre lui et lui, c'est pour ça, ok. C'est entre eux ensuite, c'est plus. On va les mettre là. Mais ça va faire l'affaire. Voilà. Bon, un petit peu plus d'énergie. 20-30%. Est-ce que c'est toujours aussi lent? Alors, ce que je vais faire. Ok, je vais prendre toi. Et on va envoyer ça là-dedans. Allez, hop, un petit peu mieux. Je vais également baisser l'énergie que ça taxe. Et donc là, on est à 50%. Ouh, c'est quelque chose. Hein. Et du coup, est-ce que j'ai toujours le problème? J'ai toujours le problème malgré tout ce que j'ai déposé. Faut vraiment que ça soit. Je peux pas diminuer la quantité d'énergie max que ça peut. Bon, alors. Toi, j'ai juste besoin d'en garder. On va en garder deux. Voilà. Ça, on va les mettre là-dedans. Ça, c'est parce que si je me gourre, je veux un backup, vous voyez, pour pouvoir rentrer. Je vais pouvoir le mettre là. Et on va voir comment ça se passe. Alors, j'espère. Ouh, alors oui, il faudrait peut-être importer un petit peu de warp également ici. Mais ça serait peut-être un peu contre-intuitif si je ramène des warps. Il faut en utiliser un pour warp là et pour. Oui. Je vais voir. Genre en attente que tout soit se stabilise, je me dis quand même que je contrôle. Et voilà, alors avec ça, je suis maintenant... Ouh, je satisfais complet, ça a été rechargé? Non, ça n'a pas été rechargé, mais diminuer la puissance effectivement que ça reçoit est une très bonne idée. Bon bah maintenant on va rentrer. Il me reste... Ok. On va rentrer et on va faire une demande d'apport de... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Kappa, ok, nous c'est Kappa. Donc c'est là-bas. Je peux pas sortir le... Ah voilà, j'étais peut-être trop proche de la planète. On y retourne. Ouf. Et ça taxe bien mon énergie. Alors je pense que du coup je suis limité sur la distance du warp. Ou alors il faudrait faire plusieurs étapes. Dans lequel cas ça utiliserait plusieurs... Voilà. Ça utiliserait plusieurs warps. Si je fais plusieurs étapes et que je dois recharger. Alors... Ouh, ça me fait sortir directement. D'accord, je pensais pas que ça me faisait sortir automatiquement. Du coup, on doit aller sur le 3 qui est là-bas. Ah non, c'est je suis sorti car j'ai plus d'énergie. Je viens de comprendre. D'ailleurs, heureusement que j'en ai pris deux au cas où le truc pour le warp. Je me demande comment ils vont faire les drones. Parce qu'on est apparemment. Ok. Alors, du coup, ben, en route. Hein. Regardez le mitraillage de. De voile, génial. Allez, installez-vous. Et je vais peut-être mettre une ou deux orbites de plus dans l'épisode suivant.
Donc ouais, on m'a dit que ça ne sera pas au final une sphère de Dyson. Je le sais bien, je veux juste faire l'essaim en forme de sphère, juste parce que c'est joli, quoi. Alors, ok. Attention. Pas que je rate, parce qu'à cette vitesse-là, je vais me faire envoyer à l'autre bout du monde. Si je me rate. Hop, voilà. Pouf, merci la... Ouais, c'est une mer, ça, ou un océan pour l'interception. Et... Alors, j'en ai deux, encore deux. Je me dis, je vais peut-être les poser au moins pour me faire de la place et je les repositionnerai plus tard pour qu'ils soient mieux mis. Ok, bah, je vais devoir les mettre comme ça. Un petit peu loin. Je peux pas les mettre plus proche. Là, je peux le mettre plus proche. Proche, toi. Ah, c'est à cause de toi. Je vais tirer. Voilà. Ouh, j'en ai plus de standard. Et on va mettre les super rapides. Et toi, on va te mettre... Alors, j'ai retiré un du 10 et je crois que j'en ai retiré un du 6. Ou alors, je pourrais en créer une nouvelle juste pour eux. Ajouter une orbite. On a dit 11 000, 150 et... Donc j'étais 40 degrés le dernier, donc là je vais aller à 50. Voilà, créé. Et vous, 11 et 11. Voilà, génial. Il y en a à combien? On en est à 4498. Impressionnant. Vraiment dingue. Vraiment magnifique. Je sais pas comment expliquer là le... Tellement c'est impressionnant. Alors, du coup, je voulais faire quoi? Ah oui, voilà, oui. Est-ce que j'ai de la place là? Ouh. Pas bon ça. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ah. Ça veut dire qu'il y a l'hydrogène. Alors, côté énergie, ça donne quoi? Ah, ok. C'est l'hydrogène là, en fait. On l'utilise pas assez vite. Faudrait que j'en remonte. On fasse quelque chose, mais oui, toi, va nous ramener ça. Okay. Et on va avoir besoin de ramener. Ah, il faudrait peut-être en fait. Oh, ok, ils arrivent de l'autre bout. Regardez, ils arrivent et ils vont sûrement faire un warp et se ramener là. Alors, je sais pas comment ça va se présenter. Est-ce que le warp va prendre fin juste à côté? Je sais pas, ce serait intéressant à voir. Et il me faudrait mettre également ramener ici. Alors, peut-être ramener là les trucs de warp et le mettre dedans. Je peux pas mettre un ordre de. Je peux pas mettre un ordre de ramener ici vu qu'il n'y a plus de place. Alors, il y a 2400 qui sont en route. Je peux voir, je suis toujours en attente. Ils vont arriver de quel côté déjà, c'est la question. Est-ce qu'on peut le voir depuis la carte là? Allez, voici. Je crois que c'est eux. Hein. On peut le voir. Oh, là, regardez. Oh, les rats, ça arrive, c'est génial. Ok, alors le problème c'est qu'ils sortent de... Ils sortent de leur warp avant quoi. Oh, mais génial. Génial, est-ce qu'ils peuvent repartir? C'est la question. Alors je crois qu'ils peuvent repartir même s'ils n'ont pas de warp, c'est juste que ça va mettre super longtemps. Donc faudrait peut-être que je le remette, au cas où. Je vais ramasser ça et je vais le poser. Mais donc voilà, je pense que l'on est bon pour cet épisode. Franchement, là il y a eu un petit peu moins de progrès en nombre de choses faites. Mais le level des choses faites est juste incroyable. On va être là. Tout ce qui a été fait là, on s'est installé officiellement sur une autre planète. Et tout, c'est juste un super warp. Ok, je vais prendre 100 parce que je sais pas combien. Alors déjà, hop. Très bien. Ça, c'est pour ma sécurité perso. Et on va les mettre là-bas. Planète rouge. Et combien là? Top. Ok. Ok, ça peut en prendre une 50aine max.
Et où ils se servent sur... Est-ce qu'ils s'en servent pour le retour ou c'est juste en backup au cas où ils en ont besoin plus tard? Voilà. Mais bon, voilà. Merci à vous d'avoir regardé l'épisode. Je vous dis à bientôt sur un autre. On va peut-être préparer des choses un peu plus folles dans l'épisode suivant. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bon week-end.